Et salut à tous et bienvenue pour ce 41e épisode de Mass Effect de ma bonne compagnie. Donc j'ai bien fait de fouiller un peu les autres planètes parce que j'ai trouvé une petite mission secondaire sur la lune d'une de notre planète de notre système solaire. Et puis c'est tout ce que j'ai trouvé, voilà. Bon, il y a un peu d'éléments zéro à récupérer un peu par-ci par-là, mais bon, enfin ça va, j'ai déjà 100 000 donc ça devrait aller. J'ai envie de prendre Jack et Miranda. Là, je joue biotique à fond. On va encore contre le soleil bleu alors. Donc oui, ça doit bien découler de la suite des missions que je suis en train d'enchaîner depuis tout à l'heure. C'est une embûche. Pas le droit de recharger. Attention à l'atterrissage. Les chats, ils font bien mal quand même. Hein. Ils donnent pas de munitions, sérieux? Avec tout ce qu'on a eu à tuer, ils donnent pas une munition. Ouais, une, ouais. Une navette vient d'atterrir devant l'entrée sud. Rappliquez là-bas et éliminez les armes. Entrez sur le champ. En raison d'incidents compromettant la sécurité des employés, le complexe minier Brunfeld est fermé jusqu'à nouvel ordre. Ils nous ont vus. Je vais à court. Je vais tous vous détruire. Putain, ça régale. Hein. Coup au but. Ah, en fait, elle a tout le même pouvoir que la... pas l'abomination, mais l'engeance des protéines. Le pouvoir là qui rampe avant de nous exploser à la gueule. Putain, mais ils sont radasses au niveau munitions et... Ouais, ça c'était pour Archangel. Pour Garrus. C'est une sacrée surprise quand même d'avoir récupéré Garrus comme ça. Ton heure est venue. Bien. Il va se calmer lui. C'est que chez mamie ou quoi? Thank you.
Désolé si vous entendez les coups de marteau, hein, mais je ne peux pas décider quand est-ce que les voisins font les travaux ou pas. Qui que vous soyez, vous ne sortirez pas d'ici en vie. Ah, tu crois? Ah. Oh. Bonjour toi. Oh, bonjour frère de mon. Les filles, vous avez des guerrières, mais quand même. Ah, je plante mon cul. Ah, putain, il y a un couvert. Eh ouais. Oh, je me suis défoncé la gueule. Incroyable. Ah ouais, bizarrement, hein, ils approchent plus vite que nous, hein, que l'autre quand on le faisait marcher avec nos accumulateurs de merde, là, hein. Ils nous ont repérés. Mobile, reçu. Merde, il a aligné Miranda. Ouais, cette arme elle est hyper forte quand il n'y a plus d'armure en fait. Ils nous ont vus. Où ça? Simple, rapide et efficace. Ça, c'est des missions secondaires un peu plaisantes. Au moins, il y a un peu d'action. Hein? Pas d'autres munitions à récupérer? Périmètre sécurisé. Alors, déverrouillons. Je sens que ça va être compliqué celui-là, tiens. Jamais, hein. Ça coûterait de fouiller un peu. C'est fou. Genre à la badass. Allez, un petit niveau sup. Et donc du coup, j'ai vu qu'il y avait un trophée pour le niveau 30. Et ça? Je sais même pas quel niveau je suis actuellement. Alors, la suite. Je sais pas pourquoi ils m'ont foutu là-bas au fond, hein. C'est pas grave. On va faire comme si, ouais, ok, mais sinon c'est pas grave.
Alors, on va arrêter ces fameux missiles. Mais d'abord, on va s'acheter du carburant. Pour enclencher le scanner. Je me suis pas mis sur le bon truc, c'est sur sa lune qu'il faut que j'aille. Là, je me disais, pourquoi je peux pas atterrir? Non mais bon sang, bonsoir! Un point ça sert à rien, un point ça sert à rien, et deux points ça sert à rien. Ouais! Ah, c'est pas du petit missile d'avion, hein! Alerte! Les deux Ah, parce que j'ai un compte à rebours en plus. J'avais pas vu. Alors. Des victimes de plus. Putain, c'est clair! Je vais l'allumer quand même. Aïe 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 aïe. Qui c'est qui me tire dessus? Raté quand? J'ai plus que 3 minutes, bordel! Là, c'était un peu quand même le guet-apens là, ce qu'ils m'ont fait là. Hein. Franchement, pour réussir à s'en sortir de celui-là, il fallait le savoir que ça allait finir comme ça. Hein. Ouais, mais tu peux bipper ce que tu veux, s'il me l'affiche pas, il me l'affiche pas. Hein. Quoi ?
Non, je sais pas, capitale, bah les couilles, enfin, bah les couilles de ce passeport, non, mais. Ben, il n'y avait rien à récupérer. Je voulais juste vérifier. Voilà. Ça c'est fait. Alors, au suivant. Donc il nous en reste deux. Après aussi, on fera d'abord un petit tour à faire les emplettes à Ilium, à Citadel et compagnie. Hein. Quoique je dis Ilium et Citadel et machin, mais je pense que on ira à un endroit et j'aurai déjà plus assez d'argent. Hein. C'est sur Omega d'ailleurs, quoi, que j'ai des trucs sympas à aller acheter aussi. La cave de l'Estevanico contient probablement des informations sur ces dernières heures. Attention, l'épave est instable et menace de tomber dans le vide à tout moment. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ah oui d'accord, j'ai pas vu qu'il y avait un chemin qui s'était formé là. Non, elle peut pas sauter. C'est là d'où je viens. C'est pas le bon chemin. D'accord.
On a pas envie de monter? Ah, je peux pas sauvegarder, tiens. J'ai même pas d'objectif. Oh! Ouais, donc c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Voilà, pour remonter, amuse-toi. Eh ben. Pas être pressé, hein. Comment ça, je peux pas? Ah. Ah, donc en gros, le vaisseau, il fait des feintes, mais faut pas forcément en avoir peur. C'est pas que moi, on est en train de pencher, hein. Hop là. Heureusement qu'on peut pas tomber, hein, qu'il y a des bords invisibles. Non, ça aurait fait longtemps que je suis allé goûter la... Le goût de la terre un peu plus bas. Bon ben voilà. Et il nous reste 9 minutes 30. Bon, je pense qu'il y aura le temps de faire la dernière mission là. Oh ben, peut-être qu'on va en découvrir une autre là du coup. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être temps que je regarde un peu les mêmes mails. Alors, hein. Donc ça c'est bon, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Ça, on va le finir.
Ah, d'accord, les Vorcha, en effet, ça fait pas longtemps qu'ils sont dans l'univers, quoi. Et pas que l'univers Mass Effect. Bon, relais cosmodésique. Et donc je suis niveau 26. Il manquerait 4 niveaux encore. Sans le zombie qui va mourir très vite avec la lévitation, ça. Bien. Alors, tiens, on va plutôt prendre ça comme arme. On s'est fait repérer. Merde! Mais non! Nous on n'est pas quiconque, nous. On est le commandant Shepard! Ouais, parce que j'essaie de faire un trophée où il faut d'abord taper un coup de poing et ensuite les finir à l'arme, donc ce sont bien des ennemis. Ennemi en face. Oh putain, j'ai pas arrivé. Alors, déverrouillons. Oula, il m'a l'air compliqué celui-là. Oula, là, il a l'air très difficile. Ouh, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Ah, ça fait plaisir, mais c'est abusé. Ouais, donc ça c'est une relique de Moissonneur, ça. Shepard, je détecte un signal alien très fort dans les profondeurs des mines. Il
s'agit probablement de la source d'énergie qui alimente les zombies. Détruisez-la au plus vite. Ouais, ça se déclenche pas tout le temps, n'empêche, hein. Ennemis en face. Là, je suis en train de dire justement, peut-être qu'il faut qu'il y ait que moi qui touche, là. Le dernier que je viens de faire, il y a que moi qui l'ai touché, c'est ça, hein. Ça vient de façon infinie ou quoi là ? On y va. T'as qu'à faire un autant que toi maintenant, hein. Voilà. C'est moi, du coup. Et donc ça va être la fin de l'épisode, hein. Il reste plus que 16 secondes. Donc on n'a rien à faire. Alors, je vous propose que j'aille faire toutes mes emplettes tranquilles à la citadelle machin, parce que bon, de toute façon je pense pas que ce soit spécialement passionnant pour vous de me rader faire des emplettes. Et... ignorer. Hop, voilà. Et parce qu'en plus, de toute façon, il va falloir que je zone entre planètes pour savoir lesquels trucs je vais acheter pour de bon. Donc voilà, je vais faire mes emplettes tranquille. Je vous montre cet épisode-là à pépère pendant ce temps-là. Et puis, j'espère que ça vous aura bien plu. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, tout le monde, et amusez-vous bien.